Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour l'enquête que nous avons faite dans la maison minière. Donc, rappelons ce qu'est une maison minière, c'est une maison construite du temps des mines de charbon dans le Nord-Pas-de-Calais, autrement appelée Coron. Beaucoup de ces maisons sont à l'heure actuelle soit rénovées, soit fermées, beaucoup ont été détruites. Ce soir, nous avons passé une nuit à faire une enquête dans une de ces maisons, qui est fermé normalement, où nous avons eu beaucoup de résultats avec le pod. Je vous laisse visionner la vidéo. On se retrouve à la fin. Merci. Bonsoir à ceux qui arrivent. Coucou Manu. Bon. Vous inquiétez pas si vous entendez du bruit en marchant, c'est parce qu'il y a du verre au sol, toutes les fenêtres sont cassées. Les fenêtres sont cassées, donc il y a du verre un peu partout. Salut Vidéo, salut Couze, bonsoir Aimé. Donc ce soir on est en live dans une maison minière. On est ce soir Isa, moi et un abonné. Et on a aussi un monsieur qui est là qui passait dans le coin quand on s'est installé, donc il est passé nous dire bonjour. Et qui reste un petit peu avec moi en début d'enquête. Salut Matt. Salut Sissi. Donc on va. Bah, je vais vous faire un petit tour tout de suite, le temps que tout le monde arrive. Ouais, c'est c'est lumineux, c'est tout simplement parce que j'ai le spot qui est allumé. Ça bug. Ah. Bah pourtant on a du réseau. Alors, ça va être problématique si ça bug. Alors, je vais vous montrer un peu. Alors, ça bug parce que peut-être y aller. Alors, je ne sais pas si vous voyez, il y a la salle de bain qui est là encore. Alors ça bug parce que tout simplement, alors je vais sortir deux minutes, par contre ça va être problématique pour le live, ça bug à crever. Ah d'accord. Donc il y a Isa. Bonjour, pas enfin, bonsoir. Donc il y a un monsieur qui est passé nous dire bonjour. Qui nous très intéressé. Entendu. Ah, ouais. Il y a bonsoir. Anthony, notre abonné qui est présent au soir avec nous. Bonsoir. Donc désolé si ça bug, c'est parce qu'en fait vous voyez, toutes les fenêtres sont quadrillées par des tôles, donc à mon avis ça doit faire cage de Faraday, donc le live bug. Alors je sais pas comment on va pouvoir faire si ça bug comme ça, j'ai pas pris la airbox en plus. Donc je vais essayer de vous faire visiter vite fait avant de lancer l'enquête. Et puis donc là on était au rez-de-chaussée, donc j'essaye de vous montrer au mur en espérant que ça bug pas trop. C'est ça,
Donc là, tout ce qui est partie cuisine. Bonsoir à Tante Rose. Donc là, bah, vous voyez, on a mis une caméra au fond qui filme l'entrée. Donc là, après, bon, la maison n'est pas très très grande. Donc là, on va aller à l'étage. Chambre. Donc ici on n'a plus de fenêtre par contre. Bonsoir Ali. Bonsoir Lloyd. Donc là on a une deuxième caméra avec le babyphone. On a un pod ici qui déclenche dès qu'on marche. Et une lampe à détecteur de mouvement. C'est toujours les chambres et une troisième chambre. Donc, je vais arrêter le pod. Donc, c'est bon, c'est arrêté tout seul. Donc à savoir que quand on a installé, le pod a déjà déclenché trois fois. Donc il y avait les caméras en face, donc on pourra voir. Donc on a le pod qui est en bas qui a déclenché trois fois. On est en train de discuter avec le monsieur. Décidément. Décidément, ils ont décidé de sonner ce soir les potes. Donc voilà, donc là on a fait le tour, donc la maison n'est pas très grande. On va essayer de faire au mieux. Alors d'après le monsieur qui est passé, qui est là avec nous, des amis à lui sont déjà venus dans cette maison. Et d'après lui, il y aurait eu des restes sataniques qui ont été faits ici. Des amis à lui auraient filmé déjà des choses. Donc on verra bien ce que ça va donner. Donc là, ça marque, là, le pod a encore rebipé une fois, alors je ne suis plus sur le, dans la chambre. Donc il faut vraiment marcher ou toucher le pod. Donc on verra ce que ça donne s'il redéclenche après. Donc là, on va attaquer par le rez-de-chaussée. Donc j'espère que ça va pas trop bugger. Sans quoi on fera les étages et puis... Alors, je vous montre. Hein. Le pod est là-bas, il vient de redéclencher tout seul. Ouais, on va faire un speed vote et il vient de s'arrêter tout seul. Donc voilà. Bon, bah vous l'avez assisté en live, déclenchement du pod. Donc depuis qu'on est là, les pods ne font que ça de se déclencher. Donc ça commence bien. Ouais, il rebip encore une fois. Je vais voir bien.
Est-ce qu'il y a une femme avec nous ce soir? Il y a un homme avec nous. Il y a un enfant avec nous. Est-ce qu'il y a autre chose qu'un homme, une femme ou un enfant avec nous? C'est pour ça que je dis qu'on peut prendre les paroles. C'est pour ça que je dis qu'on peut prendre les paroles. Donc s'il y a quelqu'un avec nous, pouvez-vous nous dire si vous êtes présent, s'il vous plaît, dans la Spirit Box? Qu'apparemment il y aurait eu, entre guillemets, apparemment entre guillemets, qu'il y aurait eu des rites sataniques dans cette maison. Donc si vous êtes le résultat issu d'une de ces rites, pouvez-vous venir toucher cet appareil? Si vous êtes
Pas deux commissaires allumés, s'il vous plaît. Donc, je vais redemander à ce qui est venu toucher le K2 de venir recommencer. Allez-y, plus fort. C'est pas moi. C'est vous qui avez bougé de côté ? Qu'est-ce qu'on voit ? Arnaud ? Non, elle a bougé. La lumière qui a s'allumé dans le couloir. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui a bougé. L'autre côté a été. Par là ? Vous avez une gamme d'appareils présents sur cette cheminée. Il y a les baguettes qui sont là. Donc, on ouvre le conduit, on est tourné à droite, la baguette de droite à droite, on ouvre le conduit la baguette de gauche à gauche. Vous avez le pod qui est juste à côté, qui a sonné les deux premières fois. Ici, vous pouvez faire sonner ou allumer en le touchant. Et vous avez le K2, il vous suffit de toucher pour faire monter les lèvres et vous trouvez que vous êtes là. Bon, bah, je pense que la réponse est claire. Pouvez-vous arrêter de faire sonner, s'il vous plaît? Pouvez-vous lâcher, s'il vous plaît? Arrêtez-le s'il vous plaît. Arrêtez. Bon, si c'était vous qui l'avez allumé, pouvez-vous recommencer? Je vais essayer de baisser la lumière. Parce que comme ça, ça vous voit. Sachant que les deux lampes vont s'éteindre, hein, par contre. Donc, si c'est vous qui avez allumé le pod, merci. Donc, est-ce que vous êtes un homme? Si oui, pouvez-vous rallumer le pod? Vous voulez peut-être que je rallume ou pas? Ok, bon, donc on laisse comme ça. Donc, pouvez-vous toucher l'appareil, parler dans la spirit box qui est présente,
de lumière faite de côté. Ok, bon, bah, je vais allumer. Non, parce que, en fait, si je rallume au minimum, c'est ça en fait. Non, le maximum, c'est ça. Alors, le problème, c'est que quand on est dans le noir, justement, je vais voir deux lumières passer dans la pièce qui est juste là et le pote vient de se rallumer. Donc, merci, si c'est vous, pouvez-vous arrêter, s'il vous plaît, lâchez le pote. Donc le pote, vous voyez, on le voit bien s'il éteint. On voit bien s'allumer. Hein. T'as moins de lumière, je te pose moins là en fait. En fait, le pote éclaire très fort. Donc si je fais ça, c'est mieux en fait pour nous, pour vous. Pouvez-vous lâcher le pote, s'il vous plaît? Vous l'arrêtez. Pour ceux qui connaissent le pod, vous avez bien vu qu'en enquête, habituellement, il ne se déclenche pas. Il se déclenche très très rarement. Bon, bah, troisième fois. Quoi? Ah, il y a le lance, c'est moi qui marche pas bien. Je vais l'arrêter. Oui. Alors il y a des réponses. Voilà, oui, alors, bien, on pense vous avoir entendu, je n'ai pas compris. Alors là, ce soir, c'est folklorique. C'est exceptionnel. Pouvez-vous l'arrêter, s'il vous plaît? Alors, je vais en ajouter un deuxième à côté. Et chercher le deuxième. Ah non, on est pas tout seul. Alors, à savoir qu'avant enquête, avant que je lance le live, ce pod, quand j'ai installé les baguettes, avait déjà déclenché déjà trois fois. Une fois, quand le monsieur Anthony peut être témoin, le monsieur est arrivé qui était juste avant nous, juste avant le live avec nous, qui était passé, qui nous a raconté l'histoire qu'il y avait des rites sataniques ici. Au moment où il nous disait ça, le pod a déclenché alors qu'on était dans la cuisine. Au moment où j'ai venu pour l'arrêter, il s'est arrêté tout seul. Pareil tout à l'heure avec le pod en haut, ça s'est déclenché plusieurs fois sans raison. J'ai sauté sur le plancher, vous avez bien vu que sans sautant, ça ne le déclenchait pas. Et là, on n'est pas à côté, on ne peut pas le faire déclencher. Maintenant, je vais le faire à côté. Thank you.
des bruits, des sons. Alors, j'ai été chercher le deuxième pod. Donc celui-ci, on va le mettre à côté. Pouvez-vous nous montrer que vous êtes présent en touchant ce pod là, s'il vous plaît?
vous aviez compris le fonctionnement de l'autre. Et j'aimerais maintenant que vous montriez, que vous allez vous montrer que vous avez compris le fonctionnement de celui-là. Ça me pouvait réellement vous être là. Je vais baisser un peu la spirit box. Non, les baguettes n'ont pas encore bougé, Florizien. Alors, c'est pour ça qu'on a fait ce support. C'est merveilleux. C'est pour ça qu'on a fait ce support. Vous voyez en fait que les baguettes ne réagissent pas comme beaucoup les utilisent à la main, où ils ont des réactions instantanées. Tout simplement parce que justement, en fait, même en régulant la respiration, même en étant très prudent, les baguettes qu'on a testées auparavant avant de créer ce support, les baguettes tournent même en collant nos mains sur le torse, en réglant la respiration, nos mains bougent et, et effectivement font tourner les baguettes. Donc c'est pour ça qu'on a créé ce support et on s'aperçoit que depuis qu'on l'utilise, donc c'est la quatrième ou cinquième enquête qu'on utilise, que les baguettes ne bougent très peu. On n'a pour le moment eu aucune réponse encore avec. Mais ça tente à prouver que en fait les baguettes ne sont pas aussi fiables que ce que certains le pensent. On a Arnaud d'ailleurs qui était présent sur le live que j'ai vu. Donc le pote, ça fait déjà deux fois qu'il redéclenche. Je vous ai demandé le pote à côté, s'il vous plaît. Arnaud qui m'a commandé un support, qui doit avoir son support qui est construit aussi. Et j'ai Sonia du coup en expérience paranormale, qui m'a aussi commandé un support et avec qui on fait une enquête le 16 septembre à 3. Donc vous pourrez voir, les trois équipes vont utiliser ce support pour les baguettes. De rien, j'ai reçu tes niveaux d'ailleurs, je crois que je vais pouvoir le finir. Vous avez fait redéclencher deux fois brièvement le pod. Donc pouvez-vous me faire déclencher celui-ci, s'il vous plaît. Il vous suffit de le toucher sur le côté légèrement. C'est aussi simple que l'autre. Vous n'avez pas besoin de le toucher très fort et il va déclencher. C'est pas le même énergie que tout à l'heure, c'est plus calme. C'est, alors oui, c'est plus calme. En fait, il fait même moins chaud qu'en haut, en fait, ici. Alors, il a très bien compris ce que je lui demande, sauf qu'il ne comprend pas qu'il faut utiliser le code. J'ai même l'impression d'avoir affaire à un enfant qui découvre... Donc, est-ce que tu es un enfant? Si oui, peux-tu faire sonner le code que tu veux? D'accord, donc tu as fait biper deux fois, donc tu n'es pas un enfant. Il l'a choisi. Donc une fois pour oui, deux fois pour non, on va dire. T'es d'accord? Si ça peut fonctionner comme ça, on va essayer de communiquer comme ça. Donc est-ce que vous êtes une femme? Donc une fois pour oui, deux fois pour non. Si vous êtes en manque d'énergie pour faire sonner les pods, n'hésitez pas à utiliser mon énergie. Je vais inviter des gens en début d'enquête à le faire. Je renouvelle cette requête. Je vous propose d'utiliser mon énergie. Juste pour utiliser le matériel. N'hésitez pas à prendre mon énergie pour pouvoir faire sonner le pod que vous souhaitez pour nous répondre.
pour vous faire tourner les baguettes. Vous déclenchez le cadeau. Et là, c'est vraiment très bref. C'est vraiment très bref. Donc, une fois pour lui, deux fois pour moi, comme on a dit. Donc, ça vous fait dire. Vous seriez une femme. Voilà. Pouvez-vous me confirmer? Une fois pour lui, deux fois pour non. L'ambiance est même très douce en fait dans la maison. Ah, ici à cet endroit. L'ambiance est très douce. Bon, on se retrouve après le visionnage de cette vidéo. Donc, comme vous avez pu voir, une enquête très fournie. Donc, enquête à la maison minière, c'était notre première fois là-bas. Avec Anthony, qui était notre abonné TikTok et qui l'est toujours, qui risque de rejoindre notre équipe aussi très bientôt. Donc une enquête qui nous a révélé de nombreuses choses. On est très surpris parce que beaucoup de choses que nous avons sur cette vidéo, nous ne les avons pas vues, pas forcément bien entendues lors de l'enquête, comme les réponses en spirit box où on entendait très lointain, où il a fallu nettoyer les sons pour pouvoir essayer de comprendre ce que ça nous disait. Donc je vous laisse toujours, comme d'habitude, interpréter vous-même ce que vous entendez. N'hésitez pas à nous mettre un petit com pour nous dire ce que vous avez compris. Nous, on a nos avis là-dessus, sur ce qu'on a compris. Aussi, ben, vous avez pu voir une ombre qui passe derrière moi au moment où on est dans la chambre tout en haut. Donc cette ombre, on ne l'a pas vue sur place. Je m'en suis aperçu lors du revisionnage des vidéos. Donc, pour nous, on pense reconnaître l'ombre d'un mineur avec sa barrette. Donc vous pouvez voir sur le haut, si vous voulez les revoir, n'hésitez pas à les revoir. Il y a tout en haut de sa tête, on a l'impression qu'il porte une barrette. Donc la barrette, c'est le casque que les mineurs du Nord-Pas-de-Calais portaient. On a l'impression que cette ombre porte une barrette. Donc ça reste subjectif, hein, comme je dis, on n'est jamais sûr de rien. Mais pour nous, c'est ce qui nous donne l'impression. Donc peut-être l'ombre d'un mineur qui était présent ce soir-là avec nous. Voilà. Sachant que ce n'est pas une de nos ombres à nous, ça c'est certain. Personne de nous ne portait un chapeau, ne portait rien. Et dans la façon dont elle se déplace, impossible que ce soit l'ombre de l'un de nous qui se projette. Voilà. Personne ne bougeait à ce moment-là. Et c'était vraiment une ombre qui est passée dans le couloir, sachant que le pod au bord de la pièce où l'ombre rentre n'avait fait que déclencher en début d'enquête, comme vous avez pu le voir. Beaucoup de réponses au pod. Vous connaissez nos pods, donc ce qu'on appelle les sensipods. Ce ne sont pas des pods à champ magnétique, ce sont des pods où il faut toucher un fil pour le mettre en contact. Donc, on vous montrera un jour la conception. Quand on a fait le salon, j'en ai ouvert un pour montrer. C'est vraiment, le fil sert d'interrupteur. Donc, il faut vraiment toucher le fil pour venir le mettre en contact avec un plot, ce qui permet de déclencher le buzzer et les LED. Donc, forcément, on a déjà eu plusieurs fois l'utilisation de ces pods en enquête. Ils ne se déclenchent quelquefois pas du tout. On a eu des déclenchements, comme on a déjà précisé, à Wamil. Au château de Cendrillon, qui a eu des déclenchements dans l'escalier, où on était en live, beaucoup d'entre vous ont pu le voir. Voilà, ça reste pour nous des réponses correctes, surtout au moment où ça répond par oui une fois, deux fois de buzz, non, et ça le fait.
Donc voilà, ça reste pour nous de très belles réponses. Malheureusement, on ne pourra pas confirmer ces résultats car la maison est dans un état déplorable à l'heure actuelle dû aux intempéries qu'il y a eu ces derniers mois. Avec la pluie, tout ça, le vent, la toiture, une bonne partie de la toiture a lâché et les plafonds s'écroulent dans la maison. Donc c'est devenu trop dangereux pour refaire une contre-enquête dedans. On y est allé il y a pas si longtemps que ça, début février. On y est allé en février. Avec Christelle qui a rejoint aussi l'équipe il y a peu de temps. Donc on a même fait une autre maison ce soir-là parce que celle-là était vraiment trop dangereuse pour nous pouvoir rester dedans. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous mettre un petit pouce, à mettre un petit commentaire. C'est pour nous la façon de nous dire que vous aimez ou pas. Donc n'hésitez pas. On accepte la critique comme d'habitude. On est ouvert à tout. Donc n'hésitez pas, même si ça ne vous plaît pas, s'il y a des choses qui vous posent problème, n'hésitez pas, on est prêt à se remettre en question si certaines choses ne vous conviennent pas. Et bien sûr, pas nous dire ça ne plaît pas, mais justifiez votre réponse quand même. Voilà. Donc prochaine vidéo qui va sortir, ce sera l'EHPAD. Les deux enquêtes qu'on a fait en août et en septembre, qu'on va regrouper en une seule vidéo. Car en août on avait fait les étages et en septembre on s'est concentré sur les sous-sols et la morgue. Donc on va tout regrouper en une seule vidéo, donc elle devrait sortir je pense courante semaine prochaine. On va essayer de finir les analyses et de faire le montage vidéo pour que ça sorte assez rapidement. Et après il y aura des vidéos que vous n'avez pas vues en live, ce sera la maison de l'horreur qui va ressortir, où on a fait plusieurs enquêtes hors live. Donc on va sortir ces vidéos aussi. Voilà, donc je vous dis à très bientôt. Et puis rendez-vous sur la chaîne ou sur notre TikTok. Donc Asso SPAGF Doué 59 pour le TikTok et Sortie Paranormale de France pour la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à partager. Et je vous dis à très bientôt.